quand j'ai vu le projet, c'était l'adrénaline. En fait, j'avais hâte de commencer à y réfléchir. Le fait qu'on soit plusieurs artisans sur le même projet, alors c'est déjà quelque chose qui est exclusif dans le monde des métiers d'art. Chaque artisan a sa vision. C'est beaucoup quelque chose de conceptuel, c'est beaucoup aussi quelque chose de mental. Je fais tout à la main et je travaille à peu près entre 60 et 70 heures sur un cadran. Le but, c'est de donner l'illusion qu'il y a du vivant, que c'est très joueur, que les pièces bougent en fait, en sorte quelque part. Hein. Avec le peu d'épaisseur qu'on a à disposition, il faut travailler avec des burins spéciaux. Par exemple, je vais creuser un peu sous les écailles. On ne le voit pas forcément directement, on le perçoit, on le sent. Ça donne une petite dimension de plus. Et la même chose pour le nageoire. J'ai pas d'épaisseur, hein, y a trois fois rien. Mais je vais quand même creuser un peu dessous, parce qu'on a l'impression que c'est profond, qu'il y a une troisième dimension qui se crée là-dedans. Pour le foncer, je vais le passer dans le four à plus de 800 degrés. Je vais créer une espèce de couche, une couche de calamine, en fait, qui se dépose sur l'or. Et c'est ça qui le rend intéressant. C'est un peu quand on travaille le métal, dans les tsuba, typiquement. Le métal est chauffé aussi. C'est un peu ces techniques qui se ressemblent. Et donc, quand ça sort du four, il est un peu mat, il est un peu brûlé. Donc après, on va essayer de le redonner vie. Je vais d'abord polir la surface pour enlever le côté très maté, très abîmé. Ça amène la lumière à la pièce. La prochaine étape, c'est qu'on met une fine couche d'un lac translucide pour donner ce côté mouillé à la carpe. Et donc c'est un mélange des deux, en fait. On joue avec ces deux techniques. Donc tout ça, c'est pour gagner en effet, en profondeur. Le cristal taillé au-dessus de la nacre avec les monogrammes, il y a une vraie profondeur là-dedans. Le quartz fumé aussi donne un aspect intéressant. Donc c'est vraiment très joueur. Il y a plein de choses qui se passent autour des carpes. Il y a vraiment une scène vivante, quoi, autour. J'ai visité beaucoup les ateliers au Japon, où j'ai vu les gens travailler avec des techniques ancestrales très intéressantes. Et donc, j'ai peut-être volé un petit peu quelques idées. La thématique par rapport à cette pièce métier d'art, c'est travailler l'or sous toutes ses formes. Donc je pense que c'est ce qui la rend unique. Il y avait une multitude de techniques souhaitées dans cette pièce. De tous les savoir-faire des métiers d'art dans un seul sujet. Il y a le travail de nuage avec un or 22 carats qui donne une espèce de patine très doux. Comme le sujet du damasquinage, ou plutôt le fil embouti dans le cadran de base. Nous, notre spécialité, donc, c'est la partie damasquinage. Donc il y a déjà une partie, la sélection des fils d'or, au bon diamètre, les bonnes couleurs. Ensuite il y a une partie de recuit. Donc là on vient travailler, on vient, si vous voulez, un peu jouer avec les molécules de l'or, de ces fils, pour qu'ils deviennent plus mous. Ensuite on vient travailler la base en métal dur, donc tout est fait à la main. On vient créer des sillons d'une manière qu'après, en martelant, on puisse intégrer ces fils d'or. La forme du sillon à la fin doit être en forme de queue d'aigle. Et puis ensuite, on puisse les modeler, les faire briller, les recouper, gravures au burin, etc. Il y avait cette idée aussi de mettre en avant comme des nuages, comme si c'était quelque chose qui volait. Vous voyez, c'est un dragon, est-ce qu'il est dans le ciel? Amener ces fils d'or comme s'ils étaient suspendus. On va mettre des petites microbillées, ouais, une petite structure sur le nuage, parce que l'or 22 carats est très brillant, donc on va le tamiser, on va le calmer un peu. Après, il y avait le fait de mettre des paillons dans les poches d'émail du corps de dragon, qui est vraiment réussi. On a choisi le joli noir bien opaque,
Et on a cabochonné légèrement pour s'asseoir bien de relais ou de paillon. Cabochon, donc légèrement bombé sur la face. Et ensuite, on couvrir de fondant c'est émail transparent. Et ça donne une très jolie profondeur d'émail. L'astuce, c'est de travailler après, qui est très délicat, parce que l'or est brûlé et les bordures des poches sont un peu marquées par le four. Donc il faut gratter, c'est très très délicat. Et en plus, en donnant des rondeurs. Et donc ça, on le fait avec des techniques de polissage, avec des poudres de diamants et autres, pour pouvoir les rendre vraiment très très brillants. Et donc c'est une collaboration avec l'émailleur, avec l'émailleuse en question. Taïmé a fait quelque chose de magnifique. On nous a laissé concevoir une œuvre sans contrainte technique presque. Je me prépare comme une athlète, donc j'essaie de créer une technique par rapport au projet même. Moi, j'ai développé mon propre savoir-faire avec plein de matières, comme la nacre, le parchemin, la paille, les élytres de scarabée, les cuirs, tout ce qui peut se découper en fait. Nous utilisons des outils relativement archaïques. Hein. L'outil emblématique de la gravure, ben, c'est le burin à main. Donc rien de plus manuel que cet outil-là. Ce travail de préparation d'émail sur cette pièce est un travail quasiment à l'aveugle pendant plusieurs semaines. On ne verra finalement le résultat que quand cette pièce sera émaillée, en pensant que ce résultat est inéluctable. On peut pas revenir en arrière. J'ai décidé d'utiliser la technique des cabochons. Sur ce cadran-là, les serpents devaient donner l'impression qu'il est vivant. La technique que j'utilise s'appelle élément par élément. Donc le principe, c'est de découper chaque pièce qui va composer la marqueterie. Il y a 367 pièces. Je vais faire des copies du dessin et je vais venir repérer les petites pièces qui correspondent à la légende. Et ensuite, je viens les découper une à une. Je vais recomposer ce motif à partir de toutes ces pièces. On ne peut pas rajouter la matière qu'on a enlevée. Donc il faut voir mentalement le résultat de cette pièce. On dit que les sculpteurs voient la sculpture terminée dans leur bloc de pierre. Pour un graveur, ben, c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est tout un process hyper technique en fait, une succession d'étapes presque mathématiques. La seule chose que on ne peut pas contrôler, c'est le four. C'est le dieu feu qui décide du résultat. Et c'est là aussi, je pense, les secrets d'une bonne émailleuse. Ma part de liberté sur ce genre de projet, c'est justement mes matières. Mon savoir-faire, c'est le multimatière. Et aujourd'hui, c'est ce que je défends et c'est ce que j'assume et ce que je revendique. Ce genre de projet, c'est toujours hyper excitant en fait, de travailler dessus. Il y a beaucoup d'intervenants sur certaines pièces. Tout le savoir-faire des artisans qui ont travaillé sur cette pièce a été mis. Il y a aussi un respect entre chaque artisan, chaque savoir-faire. On a une très grande complicité. C'est la confiance extrême et c'est ça qui va donner l'âme à l'œuvre. C'est là la beauté de mon métier en fait. Parce que c'est plein d'émotions au final.